Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi, le lundi c'est unboxing et avec la boutique Diamond Art Décor. Je vais vous présenter aujourd'hui deux kits de broderie, un diamond painting et deux accessoires de diamond painting. On va commencer par ça. Alors comme d'habitude ça, vous savez, vous avez l'habitude, vous le voyez régulièrement sur ma chaîne. La réserve de glu pour chouchou. Voilà, dans les petits pots comme ça en forme de diamant. Voyez. Alors, celui-là, si je ne me trompe pas, c'est celui où il y en a 5. Oui, 5 et ils sont très épais. Ils sont nickel, ceux-là. Ces glues-là vont vraiment très, très bien. Chouchou les adore. Voilà. Hein, croyez-en un spécialiste. Non, ceux-là, elles vont vraiment très bien. Donc, quand vous voyez ces petits pots-là, vous pouvez prendre la glu sans problème. Hop, si j'arrive à la fermer, voilà. C'est une glu qui va vraiment très bien, qui tient très bien et longtemps. Alors, là, j'ai oublié de marquer mes prix en euros, mais c'est pas grave. 8,89 $. Voilà. Ensuite, pour le DP, alors je vais le déballer, ce sera plus facile pour vous montrer. Un stylet. Alors, c'est un stylet avec le manche en bois. Voilà. Donc, il est très léger. Hein. Donc, ici, vous avez la pointe pour mettre un diamant et vous avez un trou de l'autre côté où vous pouvez mettre donc différents embouts. Voilà, donc celui-ci où on fait trois embouts, trois perles, pardon. Celui-ci c'est 6 si je ne me trompe pas, et ici c'est 9 ou 10. Voilà, je crois plutôt que c'est 9. Donc pareil, vous le mettez. Hop, votre embout ici, et du coup voilà. Ce petit stylet, il est à 2,29 $. Voilà, et pour une fois, bah, en bois ça change, je trouve. C'est très, il est simple, mais voilà, je pense qu'il ira très bien. Ensuite, alors, on va continuer dans le DP. Alors, je cherche le bout. Voilà. Je ne sais plus ce que c'était, ce DP. Ah oui. Oui, ça y est. Voilà. Alors, ce sera des perles rondes, comme d'habitude. Hein. Un petit toolkit et voilà le motif. Alors, hop. Voilà un bocal de poisson rouge avec les chats qui regardent derrière. Voilà, il y a deux chats, il y en a un petit là et un plus gros là avec sa queue là qui passe sur le devant, avec une fenêtre derrière. Ils sont subjugués par les poissons rouges. Très joli, pas confetti du tout, 23 couleurs, niveau colle c'est très bien, et niveau impression pareil, il n'y a aucun souci, vous voyez, c'est vraiment très bien imprimé. Alors les couleurs, elles sont en sachet, c'est des sachets chapelets, mais découpé par couleur. Alors, un orange, un jaune, du vert, un autre vert. Voilà. Donc là, je pense qu'on va avoir des jolies couleurs. Bon, il y a plusieurs sortes de verres, vous voyez.
un kaki. Voilà. Ça doit être du noir. Ah non, c'est 939. Le noir, je pense. Non, c'est pas encore celui-là. Ça, c'est le 938. C'est un marron. Je sais pas s'il y a du noir. Non, il n'y a pas de noir. Bleu, un bleu vert et on termine avec un bleu. Voilà. Alors ce DP 30-40 perles rondes au prix de 4,59 $. Voilà. Alors, je remets juste les perles comme ça dans le sachet et je rangerai mieux après. Voilà. Voilà. Ensuite, là, ça fait partie d'une série. Alors, je ne sais plus combien il y en a exactement, mais c'est une série et... attendez. Je vais essayer parce que je vois là, septembre, novembre. J'avais pas fait attention à ça. Enfin, il n'y avait pas les titres sur le... Juste le temps... Je vous mets pause une seconde, je reviens tout de suite, je mets ma tablette. Voilà, j'ai retrouvé donc sur la boutique Diamond Art Décor. Pour l'instant, j'en vois 5. Mais je pense qu'il y en aura d'autres, puisque là, j'ai celle de septembre et celle de novembre. Donc, je pense qu'il y en aura d'autres, mais là, moi, pour l'instant, il y en a 5. Alors, je pense que c'est une nouveauté, je ne les avais pas vues avant. Donc, voilà, la première. Donc, c'est avec des fleurs, hein. C'est un personnage avec des fleurs. Il y a de la poussière là-dessus. Alors, la taille, c'est 31 sur 41, sur 40 cm, c'est du 14 CT. On a combien de couleurs? Ben, il est où mon patron? Attendez, j'ai perdu le patron. J'ai dû le laisser dedans. Oui, j'ai laissé dedans. Voilà. Alors, j'ai combien de couleurs? 33. Dites 33, docteur. J'ai 33 couleurs. Donc c'est du point de croix et il y aura deux couleurs en point arrière. Voilà, donc c'est du dieu sandé, donc pardon, dans l'autre sens. Donc niveau impression, ben, il n'y a pas de souci. Alors niveau couleur, donc on a nos deux aiguilles comme d'habitude. Et niveau couleur. Je vous les montre tout de suite. Voilà. Les premières. Voilà. Les deuxièmes. Et là, il en reste quelques-unes ici. Voilà. Niveau toile, alors, elle est souple, elle est bien. C'est une taille moyenne, on va dire, mais il n'y a pas énormément à broder. C'est celle-là. C'est pas du tout confetti.
Donc voilà. Le résultat devrait être bon une fois brodé. Donc ça s'appelle, alors là c'est le September Flower Fairy. Donc celui-là c'est celui de septembre. Oui, on retrouve le nom également sur la toile, voyez. Pas de souci, non, pas de souci particulier pour broder. Vous voyez, il n'y a pas du tout de confetti. C'est vraiment une broderie qui peut aller être assez rapide à faire. Alors, ça, c'est la première. Donc, attendez, là, je remets tout de suite dans le sachet puisque comme les deux modèles se ressemblent un petit peu, je ne pourrais pas mélanger. Voilà. Et la deuxième, donc, c'est le mois de novembre. Donc, ça ressemble un peu plus à des chrysanthèmes. L'autre, ah, si, des lys. Ouais, c'est plus des lys. Vous voyez, on le voit là. Ça ressemble à des lys. Ouais, c'est ça. Et ici, ce serait donc des chrysanthèmes. Donc, là, niveau toile, ça va être la même chose, hein. Il n'y aura pas de souci. J'ai pas un... Niveau impression, ça va. C'est bien imprimé. Bon, ça vient ou ça vient pas? Excusez-moi, hein, je coince. Voilà. Alors, celui-ci, il y a combien de couleurs? Il y a 27 couleurs et une couleur de point arrière. Voilà. Ah, le patron est un peu plus grand sur celui-là. Voyez? Et donc, on a encore un petit morceau ici. Voilà. Et donc, on retrouve le dessin. Donc, c'est du 14 CT. Je suppose que c'est la même taille. 32. Ah, là, c'est 32 sur 41. Il y a 1 cm de plus de chaque côté. Niveau des couleurs. Voilà, ça va être des couleurs automnales, hein. Voilà. Voilà. Et on a toujours nos deux aiguilles. Niveau toile. Dans ce sens-là, oui. Voilà. Donc, pareil, hein, il n'y a pas de confetti. C'est vraiment là, ça va être une broderie sans prise de tête, hein, zéro cerveau, comme on aime dire. Vraiment très bien. Voilà. Donc, niveau impression, de toute façon, il n'y a pas de problème. Non, très bien. Alors du coup, ah, j'ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave. Du coup, là, je vous dis, il y en a 5. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Donc, celui-là, vous l'avez vu. Parce qu'il y a des pubs. J'essaye de les enlever. J'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Alors, il y a celle-ci. Celle-ci, ce serait peut-être au moment du printemps. Voilà, donc je ne sais pas quel mois, parce qu'il ne le marque pas. Même dans la description, je ne pense pas qu'ils mettent. Non. Bon, c'est pas grave. Donc celle-là, celle-ci, je vous l'ai montrée. Il y a celle-ci. Celle-là, vous l'avez vue. Et j'ai celle-ci. Très jolie, celle-là.
Clico-clico. Alors là, pour l'instant, il y en a 5. Je pense qu'ils auront les autres au fur et à mesure. Puisque là, bon, je dis septembre, novembre. Donc normalement, je pense qu'on doit en avoir 12. Logiquement. Donc, je verrai au fur et à mesure s'ils déjà prendre celles qu'ils ont là déjà. Et après, peut-être voir au fur et à mesure les autres qui arriveraient au fur et à mesure. Alors, ah oui, le prix est différent. Alors, celle-ci, la première que je vous ai montrée, est à 6,79 $. Donc, c'est une 31 sur 40 cm. Celle-ci, par contre, c'est une 32 sur 41 cm. Elle est à 7,09 $. Voilà. Bah écoutez, moi je remercie beaucoup la boutique Diamond Argif. Je vous mets comme d'habitude tous les liens utiles et nécessaires en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les articles que je vous ai présentés. Et en attendant, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.